Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Moi, salue-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous baillons le Seigneur gloire d'une façon spéciale de ce que bon Dieu fait nous grâce pour nous capables dans la présence de Jésus-Christ. Bien pile le monde qui dormit, qui n'est pas levé encore. Mais nous-mêmes, le Seigneur fait nous grâce, nous dormir et puis nous lever, n'est-ce pas? Nous lever, nous disons bon Dieu merci pour toute grâce ça yo, pour toute faveur ça yo, que lui accorde nous pour nous capables dans la présence le matin, pour nous capables glorifier nous, exalter nous. Et d'abord, nous ouvrir Bible ensemble avec nous dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 12. Jacques chapitre 5. Verset 7 jusqu'au verset 12. Et nous avons dit bienvenue avec tout le monde qui est déjà connecté avec nous dans l'église avec Shekinah Tabernacle, ou même qui est connecté ensemble avec nous sur Facebook, ou même qui est connecté ensemble avec nous sur YouTube. Nous avons dit bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans la présence de Dieu, parce que la Bible dit comme ça que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. En d'autres termes, nous, en tant que les chrétiens, lorsque nous adorons le Seigneur, nous adorons en esprit. Quel que soit à côté que vous êtes, vous êtes connecté ensemble avec nous, pas moyen de connaître. Alors, l'esprit, nous faisons seul, parce qu'il y a un seul esprit et un seul Dieu. Amen. Si y a une raison qui permet que l'Église universelle là, est connectée, parce qu'il y a un seul esprit. Un seul esprit, ça, dans la vie tout chrétien, tous les chrétiens recevoir un seul esprit. Ça permet que nous ne devons pas chita même côté, nous ne devons pas dans le même pays, mais nous connecter, nous faisons seul avec le Seigneur. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous les esprits. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 12. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. M'appelez-vous comme ça? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Je vais même pour passer très sous phrase ça. Ou bien le verset 8. Moi, je vais pour mettre accent sur le livre, pour accentuer sur le livre. Je dis vous aussi, parce que c'est verset clé. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Amen. Le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda
car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Verset 12 pour finir. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Gloire à Jésus. Amen. Debout, sainte couronne du soldat, du roi des rois, tenez d'une main folle l'étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit debout pour la bataille. Partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus de la nuit invincible. Soldats, revêtez-vous, le est possible pour qu'il lutte à Jésus. Oh, le triomphe est possible pour qu'il lutte à Jésus. La trompette résonne des beaux. Un soldat, l'immortel le couronne est le prix d'un combat. Si l'ennemi fait rage, soyez fermés et forts. Redoublez de courage, si redoublé d'efforts, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brillez l'aurore à l'horizon. Bientôt je tends nos âmes au pied du roi des rois. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Oh, les chants après les larmes. Le trône après la croix, oh, les chants après les larmes, oh, le trône après la croix. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous maïfinons, nous disons merci pour grâce, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis à nous capables, camper pour nous prêcher parole, nous, bah, gloire pour ça. Cher Seigneur, mes messages qui parlent, prêcher, et nous-mêmes qui déjà réunis, cher Seigneur, en tant que chrétien, que parole ou capable de faire travail,
dans la vie, nous, dans l'âme, nous, dans l'esprit, nous va transformer, cher Seigneur. Et dans l'âme, dans le sang, nous briser toute puissance démoniaque qui est sur YouTube, qui est sur Facebook, qui t'a a fait mon patron des messages, cher Seigneur, dans le sang, qui est tout anathème, qui est tout sans effet, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde qui prend le temps de messages, cher Seigneur, nous clamons faveur, délivrance ou guérison spirituelle pour vous, dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, la patience est réellement importante dans la vie de tous les chrétiens. Amen. La patience est réellement importante. Et c'est une raison, même frère Jacques, ça, il dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 12. De ça, Jacques parle, dit oui. Jacques chapitre 1er, le verset 12, il dit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra, qui ça, la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dame, pour me répéter, verset ça pour encore. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra, qui ça, la couronne de vie que le Seigneur Jésus a promise à ceux qu'il aime. Alors, mais la patience, c'est une vertu que tous les chrétiens, c'est une fruit que tous les chrétiens doivent gagner, doivent posséder. Si que ou pas gagner la patience, l'est réellement impossible pour que vous fassiez succès dans la vie. Non seulement dans le sens spirituel, mais aussi en tant que monde qui vit sur la terre. Qui pour tes chrétiens ou bien pas de chrétiens, ou besoin vêtu ça, ou besoin fouille ça, qui c'est la patience. Amen. Mais Jacques t'a pas encouragé et les chrétiens, ou bien pour que yo gagnent, qui ça la patience. Exhortation en vue, amen. Exhortation en vue du retour du Seigneur. L'étape exhorté peuple, ou bien pour que yo capable de gagner patience juste qu'à l'avènement du Seigneur. Là, j'ai parlé du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tous les chrétiens qui ça doit gagner la patience. Qui ça la patience? La patience, c'est la clé du succès. Amen. Non seulement dans le sens spirituel, mais aussi humainement parlant, pour tous les individus qui vivent sur la terre, ont besoin de patience. Amen. Mais Jacques Paul dit nous ça que non, Jacques chapitre 5, verset 7, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alors, Dieu, patience que la Bible a parlé là, mes bien-aimés, c'est pas une patience temporaire. Non, c'est pas une patience temporaire, mais c'est une patience qui ça, qui permanente, c'est une patience qui est durable. Bon, c'est une patience qui est progressive. Amen. Patience à l'idée progressive dans la vie de tous les croyants, de tous les chrétiens. Amen. Et comme on dit déjà, quel que soit ça qu'on fait sur la terre, il y a un monde qui a fait un business, qui rentre pendant un commerce, monde ça a besoin de patience. Il n'a pas besoin de patience pour que pour 2-3 jours, ou bien pour quelques mois, ou bien pour quelques années, si que l'État a fait succès, si que l'État a fait succès, ou besoin de ça, une patience qui est durable, une patience qui a duré tout le temps, qui est très longue. On c'est patience ça que au besoin pour faire succès dans l'école qui ça, au besoin de patience. Lorsque on à l'école et c'est pas le même jour que on à l'école là pour réaliser ça qu'on besoin. Non, c'est pas le même jour à réaliser au besoin de patience parce que et dans la vie et succès parfait, un seul coup, ou bien un seul jour, ou bien dans un mois, ou bien dans deux mois, ou bien dans quelques années, mais succès a, il fait progressivement. Par exemple, un oiseau qui a bâti, et une niche, ça qui nous relie, une maison pour que lui-même pour l'habiter, il explique à nos oiseaux comment le faire, de temps en temps, il prend une branche, de temps en temps, il prend une branche, et puis, il a bâti besoin, jusqu'à ce qu'il est bâti. Mais qui ça le besoin? Le besoin de patience.
Est-ce qu'elle va prendre tout ça qu'elle a besoin et puis pour le mettre sous l'eau et puis même jouer avec tout le bagaille? Non. Même Dieu, lui-même, lui utilise qui ça? Patience. Amen. Lui, c'est un Dieu de patience. Nous parlerons ça tout à l'heure. Nous avons fait ça que nous parlons de nous parlerons ça tout à l'heure. Dieu, lui-même, lui gagne patience. Amen. Tout ça qu'il a fait, il n'a pas fait un seul coup. Bien que il ait capacité, il ait pouvoir pour faire tout ça qu'il a besoin, un seul coup, mais il prend sa patience. Qui ça va bien expliquer nous? Bon Dieu, il prend un nombre de jours selon ou d'après la Genèse, premier livre de la Bible, qui ça? Dieu, on prend chaque bagaille qu'il a fait, il prend un jour. Amen, il prend un jour pour jusqu'à ce que lui réalise, lui crée tout ça que lui a besoin sur la terre. Amen. Alors que Dieu, c'est un exemple de patience. Amen. Ce n'est pas seulement en Job que nous avons dans ça ou bien les prophètes, mais Dieu lui-même, lui sont exemple de patience. Amen. Lorsque Jésus-Christ vient sur la terre de la même façon, pour lui, son Jésus-Christ réalise qu'il a besoin, il a besoin de la patience. Est-ce qu'elle peut faire nos seuls jours? Oui, elle peut faire nos seuls jours, c'est mon Dieu. Mais livrez pour que moi-même, ensemble avec vous, en cultive la patience, pour que nous ayons exemple de patience, même pour que nous ayons exemple, pour que nous ayons monde qui soit un exemple pour nous, qui ça, lui fait tout ça que lui a besoin, on prend pas à pas, peu à peu. Amen. C'est comme ça la vie pour réaliser quelque chose, quelque chose où nous avons patience. Et puis, et puisque nous avons patience, ça qu'on va faire, on va c'est pas à pas, peu à peu, on va de temps en temps, et puis on va faire un bagage, et puis c'est comme ça la vie est pour réaliser. Alors, Jacques dit nous là que, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Lorsque la Bible parle de l'avènement, nous avons un avènement. Nous jouons en pile l'autre bagaille. Dans l'avènement, nous jouons le retour de Jésus-Christ. Nous jouons en pile le phénomène aussi qui pourra le créer dans l'avènement. Amen. Mais là, les gens parlent là de l'enlèvement de l'église. Amen. Parce que l'église là, les gens pour l'enlever. L'église là, on va la terre par demain nous. Amen. La terre par demain nous. C'est une raison que l'église Jésus-Christ a libre focus sur le Seigneur. L'église Jésus-Christ, lui doit gagner une mentalité ciel, lui doit gagner une perspective céleste. Amen. De une perspective céleste. Amen. Mon ami, au test, il dit que nous sommes pèlerins et voyageurs. Amen. Et ici-bas, nous parvenons pour le rester. C'est passé que nous avons passé. Amen. Pendant que ici-bas, c'est passé dans le passé, c'est voyageur que nous y est. Bon Dieu, pas seulement voulait pour que nous ayons la foi seulement, mais nous voulait pour que nous ayons patience. Bon Dieu, pas seulement voulait pour que nous sanctifier, seulement mais nous voulait pour que nous ayons patience. Bon Dieu, pas seulement voulait pour nous fidèles, mais nous voulait pour nous ayons patience. Bon Dieu, pas seulement voulait pour nous ayons la bonté, mais nous voulait pour que nous ayons patience. Bon Dieu, pas seulement voulait pour que nous ayons l'amour, mais nous voulait pour que nous ayons vertu ça qui c'est la patience. Hein? La patience de nos guérines. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Amen. Jacques Bonnou, un autre exemple là encore. Yon laboureur, ou bien yon travailleur, ou bien yon cultivateur. Amen. Moun sa, qui ça le fait, il travaille la terre. Mais Jacques dit comme ça que, moun sa, li gen pile patience. Parce que, grâce à quel gain, hein? Amen. Lorsque, pour le planter, et puis, ou bien avant de planter, Jacques dit que ça le fait, ou bien terre, qui ça le fait, terre, li. Chaque terre, ou bien, li sécle, li nettoye, amen, et puis li fouille terre, et puis plante ça pour le planter, amen, pour le semer. Mais pendant le semer, qui ça vous a besoin? Les besoins qui ça? La patience, amen, les besoins de la patience, qu'on a là, c'est au fur et à mesure que qu'on a là, lorsque plante la fin planter, qu'on a pour plante la, à part, grâce à la fin planter, la fin semer, qu'on a là, pour la pousser. Et puis pendant la poussière, moi qu'on ouais et parents nous yo ça que yo fait, yo prend temps pendant la plante là à pousser et puis de l'autre herbe qui a poussé ensemble avec lui et puis pour y faire nettoyage de temps en temps, pour y poser,
pour y avoir jardé ça de temps en temps. Ou est-ce que ça, il y a en pile patience avec Jacques Bonneau, des exemples qui palpables, qui concrètes, en côté que nous capables, ouais, au bon exemple qui physique des personnes, au bon il prend des exemples Bonneau, au bon pour montrer nous, au bon Mounsa pour le réaliser, jardé ça, pour aller sale planter, pour que les jouent, pour que les jeunes fuient la donnie, les besoin patience. Bon? Et que plante nous avons planté, il prend des années. Que plante nous planté, il prend des années. On ne peut planter ça pour une foule à donne. Il prend des années. On dit ça qui prend quelques mois, mais que ça c'est un an, deux ans, trois ans, quatre, cinq ans, six ans. On va le jouer. On va le jouer, fruit ça. On met son pile patience, mes bien-aimés. On met son pile patience. Même travail pour regarder, même travail, et lorsque vous prenez États-Unis dans le monde entier, et pour que vous réalisez quelque chose, ou bien pour acheter une maison, pour acheter une machine, qui ça, ni besoin, qui ça, ou besoin, qui ça, patience. Vous prenez une semaine ça au travail, et puis ça que vous gagnez, parce que d'un côté c'est chaque semaine que vous payez, d'un côté c'est chaque deux semaines, amen, vous payez vous. Ou besoin de patience, ça qui a besoin de réaliser, bon, au café mathématique, ou dites-moi ça que, bon, dans deux mois, dans deux ans, ou bien dans trois ans, je travaille, et puis ça qui a besoin de réaliser, pour réaliser. Ou bien, chaque compte que, ou travaille, et puis comme ça, ou mettez le sous-cas de banque, ou déposez le sous-cas de banque, et pendant que vous déposez le sous-cas de banque, mais on va dépenser la dame, mais ou bien une vision, ou bien un projet. Amen. Mais ça qui a besoin, ou besoin de la patience. J'ai dit que le monde sa yo ka fè jardin, yo besoin patience. Li ban nou exemple moun sa yo. L'église lan besoin patience, chrétien besoin patience. Parce que pendant que nous sur la terre, nous attendons le Seigneur, mes bien-aimés, nous besoin patience. Pendant que nous sur la terre, nous avons souffri. Pendant que nous sur la terre, et bien pire la tribulation qui a venu. Parce que Jésus parle de ça dans Jean chapitre 3, chapitre 16, verset 33. Il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez qui ça? Courage. Alors que, vous avez besoin de patience dans la tribulation. Vous avez besoin de patience dans la souffrance. Vous avez besoin de patience dans ce qui va traverser. Si vous avez patience, vous n'êtes pas capable de traverser. En prenant l'exemple, le peuple d'Israël. Ils ont fait 430 ans en esclavage de la servitude. Bien que y a pile nan yo qui mourit, mais peuple a gien pile patience. Bien que yo murmuré. Amen. Parce que des fois nous prend partie qui négative là seulement, mais partie qui positive là, nous pas comme si nous rejetel. On nous Dieu sur un côté peuple a murmuré, mais yo te gien patience. Bon, malgré tout, yo te gien patience. Pour la mer te fond, puis yo te sorti en Égypte, tout marché pour yo marché, yo te gien patience. Amen. Pour la meilleure fin, yo te gen patience. Mais que yon pile qui te baye problème, en pile mourir en route, mais c'est comme ça tout, yo te gen patience tout. Si yon n'a résout, bon Dieu pas fini d'être tout. Parce que yo te dit ça, yo te gen patience. Bonjour, bébé. Ouais, bon Dieu. Pour aller côté le besoin dans ce moment là, ou nous gen patience. Et maintenant, bon Dieu a mis ça sous cœur. Parce que yon moun qui pense, et bon Dieu, li fait vous, li fait au monde. Tant qu'on parle pas d'app, tant qu'on met dans nos, ou bon? Tant qu'on microwave, non, ça fait bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu cap, qu'est-ce que ça? Quel bagage bon Dieu cap, juste parler et puis faire. On va, d'après circonstances, on va, bon Dieu cap, juste parler et puis faire. Mais ouais, bon Dieu, quand elle parle ensemble voilà, les états nous parlent ensemble avec loin. Les états nous parlent le volant dimension qui est très élevé, qui ça libre en patience ensemble avec nous. Libre en patience pour le former car bon Dieu on va dire, qu'est-ce que la Bible dit? Ne pas nous parler dans celle là. Les injustes ne retrouvons point le royaume de Dieu. Les débauchés, les adultères, qui sont nous mensonges avec vous, nous sommes tous. Lorsque nous finissons d'accepter Jésus-Christ, mes bien-aimés, ben là, pas fini. Ça, bon Dieu, bon côté par là, nous accueille, il use patience, il utilise patience pour nous. Parce que faut le former nous, faut le bidon caractère nous, amen, faut le changer nous, faut le retirer toute grâce péché, toute bagaille qui n'est pas bonne à nous. Comme ça, qui ça? Puisque, comme si la vie sur la terre, pour bon Dieu faire travailler ça, nous avons besoin de patience. Et puis, de jour en jour, et puis pour qu'elle a transformé à l'image de Christ.
Mais il besoin de patience. Un bon Dieu pas pour faire vous? Non. Il est capable de faire. Mais non, il ne peut pas faire comme ça. Okay? Pas de bon travail. Tout bagaille où on a fait, où on a fait rapidement, seul coup, ou te mettre dans la tête, ou, il n'est pas solide. Tout ça qu'on a fait, ou fait un seul coup. Vous comprenez? Maintenant, tu as tout le pas solide, yon l'el qui a grasé. Mais depuis, ou prend temps pour faire. Ou souffrir pour faire. Ou crier pour faire. Ou travailler dur pour faire. Et là, on fait l'entour. On va vous dire, ou dit mes empires de patience. Maintenant, tu as droit privé loin. C'est ça la vie. C'est ça, bon Dieu, pour nous à vivre dans le ciel, ensemble avec lui, ça lui prend un pile temps pour le préparer. Pour bon Dieu, tu es le peuple d'Israël, le libérateur. Qui ça, bon Dieu prend? Bon Dieu prend un pile temps. Bon Dieu prend de prendre 40 ans pour le peuple d'Israël, le libérateur. Amen. Il prend 40 ans en Égypte. Moïse il fait 40 ans en Égypte. Non. Qui côté? La caille pharaon. La bien menée. Amen. Et puis après ça, il descend Moïse. Il dit, non, niveau, il y a un baka. Même pour Dieu, on ne peut pas s'en faire bien aimé. Comme si là, bon Dieu, comme si fin créé au bagaille, les choix au bagaille, il ne prend pas science pour le mettre dans la forme ni dans le sens ni. Pas de ça, on t'a dit, façonne-moi, j'en ouvrais. Toute volonté, Seigneur, tant que virer, tourner, ouéter tout ça. Qui ça, bon Dieu, prend patience. Avant, ou bon Dieu, utilise le bagaille. Il prend patience. Parce que là, la fond bagaille, lui fait bon bagaille. Là, la baille, le bagaille, il prend bon bagaille. Si on a raison, bon Dieu, pas la grosse de bagaille, non, mais il prend patience pour le former. Ça va pas on là déjà. Mais ou même personnellement, il prend patience. Amen. Peuple a souffri. C'est pas parce que bon Dieu pas aimé peuple là. C'est pas parce que bon Dieu pas aimé peuple là. Lui ouais peuple là. Si on a raison, il prend patience. Il fait après 40 ans Moïse fin fait. On bon? Et à l'époque, il t'a touillé tout. On bon? Petit garçon qui fait. Bon Dieu va quitter tout Moïse. Il prend temps, 40 ans. Et puis, il prend l'autre 40 ans encore pour la former Moïse. 40 ans pour Moïse grandit, pour Moïse vient de maturité, pour Moïse vient un homme, un garçon. Mais spirituellement, Moïse peut conformer. Il prend 40 ans encore pour le former Moïse, spirituellement. Avec patience. Bon Dieu, pas patience. 40 ans encore pour le former Moïse. 40 ans pour le grandir Moïse, humainement parlant. On va devant l'homme, et puis 40 ans, on va pour le prendre Moïse encore, pour le former spirituellement, pour le mettre nature dans Moïse, pour le mettre patience dans Moïse, pour le mettre la foi dans Moïse, pour le mettre sanctification dans Moïse, pour le mettre fidélité dans Moïse. Amen. Pour le former Moïse, pour le transformer Moïse à l'image de Christ, si on a raison, Moïse, c'est un type de Christ. Amen. Si on type de Christ, on y a un libérateur. Et puis, après 40 ans, et puis pour la voir Moïse, même côté encore. Amen, oui. Il prend 40 ans encore. La vie de Moïse, il n'y a plus le voir Moïse côté le pour la prendre. Et là, Moïse vivait là, parce n'a pas facile. Et avant Moïse, allez, Moïse m'a dit, bon Dieu, on a plusieurs preuves. Bon Dieu, pas de preuves. Et là, arrivé, mais il n'a pas facile. Ok, patience, pas bien aimé. Si un gros bagage, la patience c'est la clé du succès. La patience c'est la clé du succès. Bon Dieu, par la guerre, j'ai fait le nom de n'importe monde. Bon Dieu, forme le monde ça avant de confier une mission pour Jésus qui vient sur la terre. Bon Dieu, prend plus de patience, même bien aimé. Amen. Bon Dieu, passe plusieurs côtés, oui. Pour Jésus-Christ, après le péché, oui. Pour Christ venir sur la terre, oui. Ce n'est pas comme ça, il dit, c'était après le péché, boum, et puis il bat avec Jésus. Non! Il prend une famille, nos familles, ça, et puis de génération en génération, et puis pour le sortir avec Christ. Pour Christ paraître, pour le paraître lui-même. À la personne de Christ. Pour le venir sur la terre, ce n'est pas comme ça.
Pour bon Dieu vienne délivrer l'homme dans le péché, c'est pas comme ça. Pour bon Dieu vienne mourir pour l'homme sur la terre, il prend pile patience pour le former, ligner ça. Il prend pile patience pour le faire chemin ça, pour le paraître. Il prend pile patience. Il part en île descendre. Il était quand en île descendre. Amen. Après le péché, il dit bon, moi, il vient délivrer l'homme parce que l'homme, c'est ça, fait pas oublier. L'homme, c'est un petit moins, c'est mon criel. Non! Il prend pile patience pour mener bataille là. Est-ce qu'on a quoi avec l'église? Bon Dieu prend pile patience. Ou capable de voir nos situations. Ou bien dans une maladie, ou bien dans une bataille, ou dit bon, et bien pourquoi délivrer toujours? Non. Bon Dieu, c'est pas ça, la prend. Et puis pour le capable d'éliminer. Parce que le bon Dieu a fait le bout, il n'est pas fait mon seul qui était mon seul. Non. On va lui faire un seul coup. Mais bon Dieu prend patience. Bon chemin qui a tracé. Parce que ennemi a un bout. Est-ce qu'on a commencé avec? Ennemi a un bout. Ennemi peuple d'Israël, t'as un bout qui c'était la mer rouge. C'est bon, c'est cimetière. Au moins c'est habile, c'était boutio ça. Avec bon Dieu, il prend pile patience pour le former. Et puis ça l'a vu faire pour le vin faire pour. Il a besoin pile patience. Il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez qui ça, vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous aussi, soyez patients. Mabé kounet qui s'agoye, soyez patient. Amen. Bon Dieu pas mandé pour qu'on patience pour maladie. Seulement guéri. Bon Dieu pas mandé pour qu'on patience seulement pour mariage en fait. Bon Dieu pas mandé pour qu'on patience seulement pour le bon travail. Bon Dieu pas mandé pour qu'on patience seulement pour le faire yon miracle. Silence. Amen. Bon Dieu besoin que pour qu'on patience jusqu'à ce que Jésus-Christ le même vienne chercher. Là, la Bible a parlé là sur. Amen. Il met accent sur le retour de Jésus-Christ. Fais ma chère, fais silence pour nous. Il met accent là sur le retour de Jésus-Christ. Tant que chrétien, nous devons dire ça. Nous devons dire patience. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher. Oui, il a souffert, c'est vrai. Amen. Oui, il a dit, c'est vrai. Mais patience. Restez fidèle, patience. Amen. Pas fait à gauche, pas fait à droite. Fixez regard sur le Seigneur Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi. Fixez regard. Amen. Fixez regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Que ça dit? Le juge est à la porte. Qui est-ce nous? De qui est-ce que nous a parlé de le Seigneur Jésus-Christ? Il est le seul vrai juste, juge. Amen. Il dit, le juge est à la porte. Nous pas de jugement pour nous faire. Nous pas pour nous juger personne. Mais jugeant, il est en route. Jugeant en route. Il dit encore, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de qui ça? Patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Pour nous prendre ça, comme prendre comme modèle de patience. Amen. Ils sont modèles pour nous. Les prophètes, les apôtres. Alléluia. Ils sont modèles. Pierre, on est son modèle. Amen. Apôtre Paul, son modèle. Élie, son modèle. Élisée, son modèle. Amen. Josaphat, son modèle. Gédéon, son modèle. Abraham, Isaac, ils sont son modèle. Esaïe, son modèle. Jérémie, c'est un modèle. Amen. Ils sont modèles pour nous. Prenez mes frères pour modèle de souffrance. Amen. Et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ils ont parlé de propre païo. Amen. Tout ça qu'ils ont dit, ce sont des prophéties. Ils vont réaliser en Christ pour nous prendre comme modèle. Pour nous prendre ça comme modèle. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fée que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de patience. Qui ça, Jacques 1er 12 dit, heureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ a promise à ceux
Clem, qui ça le dit? Nous, elle la fait. Amen, oui. Lorsque on a un monde qui passe sens, nous, elle comment faire fini. Amen. Qui ça bon Dieu fait? Les récompenser. Amen. Okay? La patience, après la patience, c'est succès, c'est la récompense. Amen. Amen. Okay? Puis patience, on va souffrir, c'est vrai, mais patience dans la souffrance. Non. Patience de maladie. N'a pas le Seigneur, mais patience. Mais ça dit, dans Romains chapitre 5, verset 3, 4, il dit, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Macha, puis là. Il dit, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Qu'est-ce que ça Jacques dit? Amen. Nous, Jacques dit, nous, ça, apôtre Paul dit, non, Jacques 1er 12, il dit, heureux l'homme qui supporte par sa malattention, car après avoir été en bande, il pouvait recevoir la couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ a promise à ceux qu'il aime. Et puis, dans le verset 11, il dit, voici, nous disons, bienheureux, même parle encore, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la fin, amen, de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Qui ça, mon Dieu, a accordé Job? Il te baille Job plus bien toujours. Que ça, Job te gagné. Plus petit toujours. Que ça, Job te gagné. Et puis, apôtre Paul dit, dans Romains 5, verset 3, 4, il dit, car vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, amen, ou bien de patience, pendant que vous avez fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Ok? C'est pas n'importe monde qui va le recevoir, récompense. Amen. Mais c'est le monde qui a fait la volonté de Dieu. Amen. Pendant qu'on a fait la volonté de Dieu sur la terre, pendant qu'on a vivre pour le monde sur la terre, ou bien que ça, la patience. Ou bien la patience. Jésus qui parle de vie sur la terre, il dit ça que il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais pour le faire, œuvre, pour le faire volonté, mon Dieu, il besoin que ça, la patience. Amen. Pour me faire travail, pour moi, pour me faire travail, mon Dieu, non seulement besoin de volonté, mais besoin que ça, la patience. Après ça, travail, là, il n'est pas efficace. N'importe ce qu'il va faire, ou pas de patience, ça qu'il va faire, il n'est pas efficace. Il n'est pas de fou la donne. Ou pas qu'à réaliser le vrai. Ou besoin de la patience. Et dans Proverbe 10, verset 28, il dit que ça que, et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Mot tribulation, que ça signifie? Épreuve, calamité. Alléluia. Alléluia. Il dit que tribulation produit la patience. Ça? La maladie produit la patience. Amen. Les moments noirs, les situations produisent ça? La patience. Et la patience, l'expérience. Amen. Oui. Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Alléluia. L'espérance. Parce que lorsqu'on a patience, il y a expérience ou expérimenter de la vie. Et puis, qui ça? Il y a un bagage. Alléluia. Qui relève l'espérance. Espérance. Que réellement important mon patience. L'aime de patience, ma espérance. Mon espérant bagay. Alléluia. Ou espérant bagay. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ou bien c'est après demain la fête quand même. Jésus-Christ a venu nous accueillir. Mais nous qui savons, nous avons espérance. Amen. Oui? Nous avons espérance. Si ce n'est pas aujourd'hui, son Lord l'a venu. Nous avons espérance que le Seigneur nous a venu chercher nous. Nous avons espérance que la vie est tirée de nos souffrances. Nous avons espérance que la vie est tirée de notre tête. Parce que nous, les gens, nous avons parlé à toi, mon ami, bien-aimé. Apôtre Paul va dire ça que si que, au moment nous n'avons pas d'espérance, nous avons même déjà avec les païens. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de prêcher l'évangile. Nous n'avons pas besoin de prêcher l'évangile. Ou pas besoin de vivre pour bon Dieu. Ou pas besoin de souffrir pour bon Dieu. Ou pas besoin de faire la volonté de Dieu. C'est que nous avons cette espérance. Amen. Que le Seigneur Jésus a vu nous chercher. Et puis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, il dit, l'attente des justes n'est que joie. Okay? La patience des justes n'est que joie. Mais l'espérance des méchants périra. Okay? Lorsque les justes attendent, amen, ils parlent qui ça? Gain la joie. Alléluia, nous prenons dans
le bonheur. Amen. Nous parler dans la félicité éternelle. Lorsque nous attendons, lorsque nous avons patience. Bagaille pas le changer, il pas prêté même gens encore. C'est une raison l'église Jésus-Christ sur la terre où nous avons patience. On prend ça que monde qui sans Jésus a cherché ou pas doit chercher. On prend monde qui sans Jésus les païens, il a pressé ou pas doit presser. Ou doit relax. Amen. On prend ou doit poser ou besoin pour bon Dieu bon maison, just poser. Ou besoin pour bon Dieu et marier, just poser, chercher bon Dieu puis patience. Ou besoin pour bon Dieu, on va en bas ou petit, il dit patience, patience. Amen. Il dit l'attente des justes n'est que joie. Ou pas de joie parce qu'on attend. Alléluia. Ou pas de joie. Amen. Oui, parce qu'on souffre avec patience. Ou pas de bagaille, on parle de changer pour ou pas de sourire. Mais bien aimé, bon Dieu parle de garder sourire. Ou pas de visage, non. C'est une raison, moi, mais verset ça de la Bible de Grâce. Nous prenons tel que les anges, mais nous assemblés avec qui est-ce? Avec Christ. Parce que, figurez ça, vous avez là, les bébés dans cela, c'est pas nous, pas bien. Nous assemblés à Christ. Figurez ça, là, c'est pas nous, pas bien. Nous pas assemblés avec qui ça? Avec Christ. Tel que les anges. Parce que, ma vie, patience. On ne pas garder les gens monde là à râler. Pas garder ça, monde là, fait, monde qui se regarde, qui ça Jésus a fait, et puis même pour faire. Bon Dieu, bon maison, contente-toi avec maison. Parle dans le diable. Parle jouer bolette. Alléluia. Parle vendre corps. Alléluia. Parle vendre petit. Parle vendre madame. Patience. Parce que la Bible dit que dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque cherchez bon Dieu, on fixe le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchez le royaume de bon Dieu. Qui s'allie? C'est chercher la justice de Dieu, chercher la sagesse de Dieu, chercher l'amour de Dieu, chercher la patience de Dieu, chercher faire la volonté. C'est ça. Bon, c'est ça qui est dans le royaume, bon Dieu. Le bonheur, la patience, bon, la joie, la félicité. Qui s'en a vite dit dans le psaume 23, le verset 6. Car le bonheur et la joie hein, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pendant que je suis sur la terre, ce n'est pas la prospérité de la terre qui pourra suivre que je pourrais jouer dans le ciel là. Mais je pourrais jouer la prospérité spirituelle. Je pourrais jouer, alléluia, les biens spirituels dans le ciel. Parce que la Bible dit patience, je n'ai pas besoin de courir des bagages sur la terre qui ont passé. Non, la Bible dit que ça c'est des guerriers. Pour moi-même qui ai patience, ben ça c'est des guerriers. Amen. Ou un monde qui n'a pas de monde, il y a un monde qui tout. Il y a un seul bagage qui a besoin de mon Dieu, depuis qu'il y a un servant de mon Dieu, serviteur de Dieu, ou qu'il y a la foi de mon Dieu, ou a mené une vie de la sanctification, ou besoin de la patience. Donc, pour qu'il y ait patience, pas qu'il y ait rien, mon Dieu, pas qu'à faire pour Dieu, c'est un bon Dieu. Ou pas David, il était enragé. Mais enragé, hein? On a servi mon Dieu. Naragé, je fixe sur mon Dieu. Naragé, il n'y a pas personne de monde. Naragé, il n'y a pas focus de lier côté lié. Il n'y a pas dit bon, dans le Samia, bon, je ne vais pas aller côté de bras. Parce que, il y a nous. Ça fait de la vie, nous pas arriver côté mon Dieu, voulait pour nous. Non seulement nous n'avons pas de patience, mais nous gardons lié, nous, lié ça, pas développer, lié ça, pas manger la donne, lié ça, pas gommer dans nos adonnes. Le peuple d'Israël, lorsque tu es dans le désert, est-ce que tu as dit au McDonald's dans le désert? Est-ce que tu as une source dans le désert? Mais puisque les serviteurs de Dieu, Moïse, ils ont fixé le regard sur le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, bon Dieu va être l'eau dans le désert, bon Dieu va être manger ça de la même façon. David, dans la rage contre l'IA, il dit bon, moi-même, on va m'observer, bon Dieu bien. Même si mon parle, même si mon. Même si je ne parle pas de mon côté, je n'ai pas patience. Un jour, ce n'est pas de rage, ma prête. Parce que bon Dieu, ce n'est pas un Dieu de rage lié. Mais bon Dieu, c'est un Dieu de lumière. Bon Dieu, c'est un Dieu d'élévation. Bon Dieu, c'est le même qui a levé le monde. Il dit, ma prête là. Et puis bon Dieu, m'a levé. Et puis un beau jour, vrai. Bon Dieu, vous voyez Samuel, là, quand il parle de David. Bon, pour la choisir, on va. Pour la choisir au monde pour lui. Le Samuel arrivé, Samuel gardé, au bon, ça qui frappait aux yeux. Au bon, et puis, tout ça le choisi, bon Dieu dit non, c'est pour mon Dieu qui se le dit, non, c'est pas mon Samuel choisi. Au bon, c'est pas mon Samuel. Go moun qui a patience, go moun qui a tant de longtemps, go moun qui a vivre pour moi. Ou moun ça, il n'est pas parmi moun. Moun ça, c'est nos rages liés. Ah ben oui, ou moun qui a fait volonté, bon Dieu, ou pas qu'ils ont vu, non?
Ou même qu'a fait volonté bon Dieu, c'est pour coton ou yé, oui. Et ça, c'est une raisonnable, nous, que le salaire personnel, c'est pour coton, oui. Parce que, qu'est-ce que bon Dieu va faire, amen, ou même qu'a vivre pour l'IA, c'est un côté météo. David, un côté pour contre lui. Il y a un côté qui, humilié, alors que, moun pas besoin. Amen, moun ou bon Dieu a fait autant avec l'IA, sur moun, moun pas besoin. Sur moun, il n'y a pas fait quatre de lui. Et puis, bon Dieu dit, Saül dit, Samuel dit, à Isaïe, le père de David, il dit comme ça que est-ce qu'on pas bon l'autre, ou pas bon dernier? Et puis il s'est on va songer, l'absonger, il dit qu'il est allé chercher pour moi. Amen, oui, c'est ça que tu as considéré, parce que ça t'a fait volonté. On ça n'a rage, il t'a servi, bon Dieu. Ça n'a rage, il t'a la foi. Ça n'a rage, il t'a patience. Dès qu'on est qu'un jour, bon Dieu, là, t'as plein de... Non, rien, ça n'a pas à faire. Et ça, il t'a fait, bon Dieu, oui. Et pas seulement sa vie bête, mais dans sa vie bête, bon Dieu, t'a formé David. Amen. Mais David, lui-même, il t'a servi, bon Dieu. Amen, oui. Alléluia. Mais avec un peu de patience, bon Dieu. Bon, non, ça, David t'a servi, bon Dieu. Ah, mais là, il est arrivé. Qui sera la Bible, dis-nous? Dans Romains 5, 3, 4, il dit, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises, avec les promesses de Dieu. C'est la Bible dit nous, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non. Jérémie 29, verset 11, c'est la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, en de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Toute petite bon Dieu, il y a un projet sur la vie. Toute petite bon Dieu, il y a une promesse sur la vie. Mais la promesse là qui sont besoin. La promesse là qui sont besoin, ou besoin qui ça? Ou besoin de patience. Amen. Pour promesse la réaliser, vous avez besoin de ça? De la patience. Promesse là pas réaliser si vous n'avez pas de patience. Ou besoin de patience pour promesse là réaliser. Avec David, t'as que patience. Ça vient de passer. Promesse bon Dieu pour le réaliser sous la vie de David. Bon Dieu pour lever David en dignité. Gloire à Dieu, alléluia. Bon Dieu pour lever David en dignité. Bon, David, on prend une partie de famille. Amen. Joseph aussi, il t'a besoin de patience. On prend une souffrance. Dans ce qui t'a passé. Amen. Avec patience. Bon Dieu vient de lever Joseph. Joseph vient de dire ça, vient d'être famille. Ok? Tout le monde qui est sur la terre a besoin de patience. Tout le monde qui est sur la terre, qui est sur la terre, a besoin de patience. Pour bon Dieu, pour mettre bon Dieu réaliser sur la vie, a besoin de patience. Pour bon Dieu, alléluia, lever en dignité, a besoin de patience. Pour nous aller dans le ciel, nous besoin de ça? Patience. Ok? Dans la signification, ou besoin patience. Pour m'appeler une vie de prière, besoin de ça patience. Pour m'appeler la Bible, j'ai besoin patience. Pour m'appeler travailler pour mon Dieu, j'ai besoin patience. Alléluia. Pour m'appeler pour mon Dieu, j'ai besoin patience. Pour m'appeler travailler pour mon Dieu, j'ai besoin tout ça que m'a fait dans la vie, j'ai besoin patience. L'église a besoin patience. Mon Dieu pas pressé. Tant c'est pour mon Dieu lié. Amen. C'est l'homme qui a prédé, qui pressé. C'est l'homme qui a couru. Mais bon Dieu, alléluia, lui prend temps pour le réaliser. Tout ça, le besoin réaliser. Parce que lui pas fait vieux bagaille. Lui fait bon bagaille. Lui pas bail vieux bagaille. Mais lui bail bon bagaille. Il dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Alléluia. Bienheureux. Bénédiction pour tout le monde qui a souffert patiemment. Alléluia. Regardez, pas de problème pour souffrir, mais dans la souffrance, ça a besoin de patience. Il y a un pile de monde, ça fait mourir déjà, c'est parce que pas de patience. On n'y a pas qu'à attendre. Il y a un pile de monde qui a fait tété, c'est parce que pas de patience. Il y a un pile de monde, mon rio, c'est parce que pas de patience. Moi-même, après, t'es là, m'attend, bon Dieu. M'a pas ma fait. M'a pas le pour bagaille, m'a pas le fond bagaille.
man que bon Dieu pas dit me fait on pas mal pour charge mettre sous dôme que bon Dieu pas dit mettre tout ça m'a fait tout ça me doit faire c'est bon Dieu pour bam l'ordre à lui a autant fixé autant marqué autant convenable et puis Dieu l'a levé en dignité ou besoin patience. Ou est mon sagon, ou même deux trois maisons, ou besoin, tout pas de problème pour besoin. Son bel bagaille ou besoin, mais qui ça, pas le fait, bagaille qu'on pas ta doué faire. Ou pas comment mon nez qui maison, ou pas comme tout de temps de travail. Ou n'a même, puisque ou besoin de maison ça, qui ça, on va faire des jobs, et puis qui ça, après quelques années, on va le coucher l'hôpital, et puis l'argent ça va pas qu'à faire ensemble avec lui. L'argent ça, il va le dépenser. Là où, qui ça, c'est pour tant. Parce que, bon Dieu, li gen projet pour toute petite li. Li fait toute petite li ça, yon promesse, mais on besoin la patience pour le réaliser. Ouais, pasteur ça gongo, congrégation, ou ta ami gilt. Mais si que vous se bon Dieu, besoin de ça, patience. Si vous pas de patience, ou pas de tête ou notre diable, ou pas de madame ou notre diable, ou pas de rentrer dans le mouvement écuménique, ou pas de rentrer dans le mouvement ça. Allez, c'est garde, regardez, vrai? Waouh! Ou dans la gloire, ou dans le bonheur, mais yon bonheur, yon gloire qui temporaire, et puis après ça, fiel ou pral pété, diable pral manger. Ou bien sur patience, yon pile moun kem te bonheur, je veux dire. Amen, qui te gagne, travail pour Dieu qui t'a fait. Kounya là, yon jouen yon moun qui offre yon l'argent. Non seulement l'évangile yon t'a prêché a perdu, yon pas gagné encore, et puis. Travail, yon te responsable là, yon pas regarder, travail ça disparaître. Travail ça, li vin sorti dans mes yon. Même moun sa tap ba ou l'argent retiré yon. Ake, ou besoin patience. Bon, j'ai pas de problème pour lever ou en dignité. Bon, j'ai pas de problème pour faire pile dans la pour. Mais nous besoin de ça, nous besoin patience. Nous besoin patience. Mais ça le dit encore. Alléluia, nous t'en parler de patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et puis, ayant, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par qui ça, la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Que votre oui soit oui. En tant que chrétien, vous devez dire oui et avec non. L'on dit non, c'est non. L'on dit oui, c'est oui. Si que non, c'est oui, oui ou c'est non, vous avez un jugement sur tout. La Bible dit, par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras ça, justifié. Parole, c'est que c'est vérité ou bail. Il est capable de blesser, c'est vrai. Mais on va délivrer et on va délivrer l'autre monde ensemble avec. Mais c'était menti qu'on bail. Non seulement on va détruire peut-être pas. On va détruire famille. On va détruire toutes les ressources qu'on gagne. Et on va détruire un pays. Avec parole ou de c'est menti qu'on bail. Ou besoin de ça. Ou besoin. Pour que oui ou c'est oui. Et là, tout était toujours. Non même. Côté ça, quand la Bible parle de patience, on va le terminer. Lorsqu'on regarde dans Lamentation 3, verset 26, qui sera la Bible dit, nous vous prions, dans Lamentation 3, verset 26, parce qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre. Il est bon, réellement important. Pour ça, rester en silence. Qui ça le silence? Le silence est un élément qui se façonne les plus grandes choses. Lorsque on fait silence, les hommes n'ont pas parlé. Le monde a joué, le monde a dit bêtise lorsqu'on fait silence, c'est plus gros âme qu'on a utilisé. Bon, j'ai dit silence. Exode 14, verset 14. Qui ça le dit? Silence. L'Éternel commandera pour vous et vous garderez le silence. C'est pas vous-même qui mettez tête ou faites silence. Amen. C'est pas vous-même qui mettez tête ou sur la terre, faites silence. Situation, ça, c'est pas au même qui met tête ou la donne. Fais silence. Man, la Bible dit comme ça que Joseph a trouvé une situation. Toi, là, même était ensemble pour détruire Joseph. Pendant toi, là, même était ensemble pour détruire Joseph. Ça a pu le passer. Dans sa prière, la Bible dit comme ça que Joseph a convoqué le peuple là. Dans le jeûne. Et puis dans le jeûne, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel s'est saisi au milieu de l'assemblée.
un jeune homme qui s'appelait Jacques Assiel. Et puis, il dit à Josaphat, bataille ça? Pas bataille. Pau! Josaphat, ça bâti, pau, là. Et puis, il était en silence. Josaphat, sa volonté, rentre en silence. Josaphat, ou fin prier, rentre en que, lorsqu'on a nos problèmes, ou nos situations, fait ça pour Dieu demander pour faire. La prière, les bibous, et puis, rentre en silence. Parce que le silence est un élément qui se façon les plus grandes choses. Fais silence. Et puis, pendant que Josaphat fait silence, il fait tout ça pour Dieu de le faire. Et puis, la Bible nous accueille pendant que des chantres, des adorateurs, ils ont chanté comme ça. Et puis, c'est comme ça que bon Dieu a fait miracle. Bon Dieu met en confusion parmi les malfaiteurs, parmi les méchants, parmi les oppresseurs, parmi, alléluia, des hommes qui très criminels. Et puis, mettons confusion. Et puis, mettons barricade. Il mettons séparation. Il sépare le peuple liant. Alors que bataille, ça pas pour rester derrière. Alléluia. Bataille, ça pas pour rester derrière. Blocus, ça pas pour rester derrière. Combat, ça pas pour rester derrière. Fais silence. Et puis, quittez le travail. Parce que c'est peuple. Moi, c'est ça que je te dis avec Moïse. Il dit que Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Dites à mon peuple, alléluia. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer. Dites à mon peuple, Macha, sit down. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Il dit, dites à mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Ok, vous avez besoin de ça? Patience. Pour que Dieu descende pour vous, vous avez besoin de patience. Pour que Dieu fasse autant de ma voix, vous avez besoin de patience. Josaphat a dit, bon, monsieur, serviteur, bon Dieu, bon, ma pote, bon, et tout le monde en allait. Non! Patience! Et puis, on a patience. Et puis, on fait tout ça que vous faites. Et puis, on a dit, ben là, dans le travail. On a dit, bataille assez pour l'éternel. Pour qui ça, on crase le corps. Bataille assez pour l'éternel. Restez en silence. En silence. On m'a essayé depuis jeudi, j'écrivais demain, c'est pas un yéwa pour glisser. Plutôt la guerre bataille là. Bon Dieu, tout la prière, c'est la prière pour la prière. Bon Dieu, tout jeûner seul, non, c'est jeûner pour jeûner. Ou pas quand il y a qu'à faire. Parce que la Bible que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde. Sur une raison, la Bible nous a que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser qui ça, les forteresses. Bon Dieu, tout la prière, avec Dieu, fais pas de parole. Bon Dieu, dit, lis la Bible, fais pas de parole. Bon Dieu, dit, gué la foi, c'est pas de parole. Bon Dieu, dit que ça, patience, patience. Après ça, nous a fait silence, rêver, ou t'as mis chita, ou t'as mis dormi. Ou te mettre des calades à craser, ou man poser, ou te mettre des maladies, on t'a pas ravagé. Il dit qu'on s'est posé, je suis l'éternel des armées, alléluia, posé, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la consommation des siècles. Il dit posé ou c'est perdre moins. Lorsque c'est perdre, bon Dieu veut que vous ayez patience. Lorsque patience, bon Dieu a fait ou bien renommé sur la terre. Lorsque patience, bon Dieu a levé en dignité. Lorsque tu patience, bon Dieu a fait un monde qui n'a pas pensé que vous êtes caillé. Lorsque tu patience, bon Dieu a fait à levé devant ennemi, devant la société. Il dit ça que puisqu'il connaît mon nom, lorsqu'elle relève, m'a délivré. Alléluia, et m'a fait tout le monde connaît, c'est moi que bon Dieu. M'a fait tout le monde connaît, c'est lui, c'est petite fille. M'a fait tout le monde connaît, c'est petite garçon. M'a fait tout le monde connaît, que lui, c'est peuple, moi. Et puis, tout ça que, mais puis, m'a rassasié de longs jours. Waouh! M'a rassasié de longs jours. Alléluia. Alléluia, bon Dieu a fait vivre tout le temps. Pourquoi ça fait ça? Dis ça, c'est Monique. Parce que c'est El Olam. El Olam veut dire Dieu d'un jour, Dieu d'éternité. Même si quand ça t'a disparu sur la terre, mon colonne film pour Almener, on t'a dit, oh ma voltige qui belle gloire, ma voltige, les crises viennent. Oh alléluia!
Après, on dit comme ça que même si tant ça sur la terre t'a disparu, même si quand ça sur la terre t'a disparu, nous avons l'autre corps qui attend nous. Quand ça la Bible est un corps spirituel, un corps glorieux, même quand Jésus t'a gagné, même quand ressuscité Jésus t'a gagné. Amen, oui, c'est même comme ça que nous prenons le guéri sur le réseau. Pas mal de problème pour ça. Ou à souffrir la donne, pas mal de problème pour laisser poussière, la retourner, qui côté en poussière. Alléluia. Ou pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin de troubler. Regardez, ou gros l'autre corps qui attend nous, comme ça, arrêtez de un corps glorieux. La Bible dit, corps utilise ça, nous-mêmes qui vivons, les bras transformés. Alléluia, encore incorruptible, moun qui mourit en Christ, qui est encore mortel, yon parle encore d'immortalité, alors que souffre avec patience. Alléluia. Même si dans souffrance, on crie, on est là. Même si dans souffrance là, alléluia, ou pas qu'à manger, genre, pour ta manger, restez là. Même si la vie pas jeune t'a doué pour vous, restez là. Patience en Jésus, alléluia. Patience en Jésus. Alléluia, patience. Les premiers chrétiens, ils ont eu patience. Malgré ta brache, ils ont eu patience. Malgré ta persécution, ils ont eu patience. Pas la guerre, pas abandonner. Si tu pas abandonné, bon Dieu, ne pas abandonner. Parce que il y a des récompenses qui sont réservées pour vous. Apôtre Paul dit comme ça que j'estime que les souffrances du temps présent, qui ça, pas capable de comparer avec la gloire à venir. Ok, sans donner patience, attendez. Alléluia, patience dans le Seigneur. Courage dans Jésus. Patience, quand on soit moune, quand on soit chrétien, patience. Où est-ce qu'on entend ça? Où est-ce qu'on entend bouleverser patience? Bon, série de moune qui mourra Christ, servant de bon Dieu. Servant de bon Dieu qui l'a capté. Ou comme ça, bon Dieu dit, dans l'Apocalypse, c'est bien du Seigneur. Jusqu'il est, on va nous faire nous justice. Jusqu'il est, on va prévenger pour nous sans nous. Et puis comme ça, mettre la Dieu, comme ça que, restez là, parce que, ou qui frère, ou qui sœur, on va nous qui doit mourir, même j'en sais pas avec. Alléluia, mon saïo, alléluia, gardez, ou doit rétendre toujours. Et puis, libère, yon chaque mot blanc, pour yon mettre sur yon. Alors, tu vas, patience, t'as dit, là. Prends patience toujours. Je ne suis pas pour le venir. Ça va dire, pour le venir, ça va être pour le venir, l'autre monde qui est pour le venir, alléluia, pas patience toujours. Mais le monde qui mourra, il faut que pour patience. Pour me vivre, pour me faire patience. Besoin de patience, ou besoin de patience. Dans tout le bagage l'église, nous besoin de ça, nous besoin de patience, patience, patience. En Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous besoin de patience. En Jésus-Christ. Tu t'aimes, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre ta main, entre ta main, j'abandonne tout avec bonheur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour grâce. Oh, ma terre, cher Seigneur, nous sommes capables de la présence. Pour nous louer, non, pour nous exalter, non. Pour nous maïfier, non, cher Seigneur, nous disons merci pour tout le bagaille. Merci pour ça qu'on va faire, pour ce qu'on va continuer à faire, cher Seigneur. Dans la vie, nous, dans le ministère, ça, nous avons chiqué dans le tabernacle. Et nous réclamons patience pour chaque servant, pour chaque serviteur, pour tous les chrétiens. Ça t'attendait, qui parle tant de nous, ça, cher Seigneur. Fais-le patience. Fais-le été vivre de la patience. Afin que vous va recevoir tout ça que vous gagnez pour vous. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, que nous glorifions ma fille. C'est pour ça que nous prions dans les noms de Jésus-Christ, qui vit qui est au des siècles. Amen. Et que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Maranatha, Maranatha, tu es avec la paix de Dieu. Merci, Seigneur.